Olivier Kerrebel, vous êtes donc gérant associé des escaliers Prosper, situé à Logmaria-Plouzané. À quelques jours du lancement du forum Solutique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez trouvé d'intéressant dans le club réseaux sociaux auquel vous avez participé et qui était né d'ailleurs d'un précédent forum? En effet, nous avons participé à ce club réseaux sociaux courant le 7 automne 2014. On s'est dit avec mes associés que ça pouvait être une opportunité d'être présent sur des outils contemporains et de pouvoir diffuser nos projets en direct, quotidiennement, sur le site. Donc ça fait qu'on a fait 4 matinées avec Catel Scanf et puis Hélène Collin sur la formation. Et après ces 4 matinées, nous avons établi une nouvelle stratégie qui nous permet donc d'être présent sur son outil. Donc, nous faisons des petites vidéos de nos projets en 3 dimensions sur YouTube que nous faisons paraître sur notre site. Et à chaque fois que nous publions un nouveau projet, nous le colportons sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter. Comme ça, nous avons un petit peu des petits messagers qui partent à droite et à gauche sur ces différents réseaux. Bon, bien sûr, ça ne remplace pas les autres méthodes de communication, c'est un complément. Mais pour les années qui vont venir, ça va être de plus en plus incontournable pour tout type de métier, que ce soit dans le bâtiment, mais tout type de commerce. La crainte souvent dans une petite structure, c'est le temps qu'on va passer sur ces outils. Vous-même, vous avez comptabilisé le temps que vous y passez du coup par semaine? Nous, on est à peu près à 1h30 par semaine, parce qu'on a mis en place des outils de programmation, de planification. Votre prochain objectif, alors, de développement sur les réseaux sociaux, c'est quoi, la photo, la vidéo? Oui, voilà, tout à fait. C'est notre présence, elle est satisfaisante, on va dire, au niveau de nos projets, parce qu'on met des 3D en ligne, mais il faut qu'on fasse exactement la même chose sur nos réalisations. Ça veut dire avec une petite vidéo, simple, et quelques photos des bons angles les plus vus, des réalisations que nous avons faites. Comme ça, chacun pourra visiter à n'importe quelle heure de la journée nos réalisations. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup.